Et ils sont dans la voiture, quoi. Ils sont, c'est leur petit nid d'amour. Quand j'ai commencé à faire ce projet sur cette chronique de la vie de mon père retraité qui avait travaillé toute sa vie dans l'automobile comme cadre commercial, on est tombé très vite sur les albums de photos de notre famille. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de photos avec la voiture dedans, sa voiture de service. Et en fait, la voiture, à cette époque-là, était considérée quasiment comme un membre de la famille, parce que sur toutes les photos, notamment les photos de vacances, la voiture pose à l'intérieur de ces scènes. Il y a des scènes de pique-nique, par exemple, où on a l'impression que il y a plusieurs voitures, on a l'impression qu'elle fait un camp comme les cow-boys dans les westerns qui mettaient leur chariot autour du campement. La photo de la déesse sur la plage, c'est pareil, elle est sur la plage. Il y a une photo de mes parents pendant leur voyage de noces, donc qui a dû être fait par un copain de régiment de mon père, parce qu'à l'époque il était à l'armée. Et mon père et ma mère posent à l'intérieur de leur petite Simca, qui est sans doute la première voiture qu'ils ont eue, et ils sont dans la voiture, quoi. C'est leur petit nid d'amour.